Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo blabla. Donc c'est un genre de vidéo que je ne fais jamais sur ma chaîne. Une petite vidéo mise au point aussi sur certaines choses que je voudrais en fait clarifier pour 2016. Donc pour cette nouvelle année, on part sur une nouvelle année, on part sur de nouvelles bases, on part sur de nouvelles, voilà quoi, de nouveaux souhaits. Voilà, j'espère que vous serez d'accord avec moi, j'espère que vous partagerez donc ces nouvelles, je dirais, résolutions avec moi, hein, en quelque sorte. Ce ne sont pas des résolutions genre je vais faire régime et tout ça, vous verrez vraiment de quoi je veux parler. Alors, excusez-moi, je suis encore malade, hein, je suis désolée, mais je voulais quand même vous faire cette vidéo. Alors, on va faire ça quand même dans la bonne humeur, ne vous inquiétez pas. Je vais pas crier, je vais pas gueuler, mais bon. Alors, premièrement, au niveau des tags. Donc, sur ma chaîne, je vous ai proposé deux tags. Des tags qui sortent, pas de l'ordinaire, hein, parce que c'est des choses qu'on retrouve sur YouTube, mais des choses que je n'avais jamais faites auparavant. Donc, ce sont des vidéos que je fais pour vous faire plaisir, ou quand même, derrière, il y a un sacré travail, ou par exemple... La vidéo avec mon mari, j'ai dû le supplier pour faire cette vidéo. Ben, ça fait 2-3 ans que je dois lui courir derrière. Et là, finalement, il a accepté de la faire. Donc, je suis très, très, très ravie qu'elle vous ait plu. Parce que dans l'ensemble, franchement, elle a été assez vue et elle vous a plu. Donc, j'ai eu au moins 50 messages, vraiment. C'est véridique. J'ai eu au moins 50 messages, voilà. Par contre, certaines n'étaient pas contentes. Que mon mari soit masqué. Donc j'ai envie de vous dire, les filles, il faut respecter son choix. Il veut pas se montrer. Donc j'ai eu une abonnée qui m'a dit que je l'avais presque prise en traître parce que elle s'attendait pas à ce que mon mari soit masqué sur la vidéo, en me disant que est-ce qu'il a qu'on avait l'impression qu'il avait honte. Oh les filles, c'est pas du tout ça. Mon mari veut garder son anonymat. C'est un chef d'entreprise. On ne sait jamais, si y a des clients qui tombent sur ma vidéo avec lui à côté, vous comprendrez qu'il perd toute crédibilité. Ça n'a rien à voir avec une honte sur YouTube. Je veux dire, s'il avait honte, vous ne le verrez pas à côté de moi. Donc, il faut arrêter les délires, vraiment. Il faut arrêter de délirer. Donc, ça, déjà, de 1. De 2, si déjà, j'ai de la chance que mon mari tourne avec moi, on ne va pas non plus chipoter. Donc, il a un masque. Faut l'accepter, faut le respecter. C'est comme ça. Donc, voilà. C'est les points que je voulais éclaircir avec vous. Donc, je me casse la tête à vous faire quand même des vidéos, pas toujours autour, je veux dire, du make-up et des soins, pour changer un peu, pour pas que ça soit redondant. Et j'essaye d'incorporer dans ces vidéos un peu de nouveauté, un peu de mettre d'autres acteurs dans ces vidéos. Et certes, ce n'est que 2-3 abonnés qui ne sont pas contents, mais voilà quoi. Donc déjà pour ça. Ensuite, c'est vrai que j'avais pas calculé qu'il fallait qu'il parle un peu plus fort, mais il faut être un peu indulgent parce que mon mari, c'était la première fois qu'il se faisait filmer. Donc la prochaine fois, je ferai attention à ce qu'il parle plus fort, à ce qu'il soit plus audible. Donc ne vous inquiétez pas ça, je ferai en sorte que ça soit mieux. Ensuite, ma deuxième vidéo tag avec ma petite sœur. Voilà, donc j'ai trouvé certains commentaires cruels, vraiment cruels. Certes, ma sœur a 19 ans, mais elle fait plus. Pas de souci. Je suis d'accord pour prendre vos avis, les filles, mais je ne suis pas d'accord pour que vous jugiez. Nous ne sommes pas dans le jugement. Essayez de faire attention. Essayez de vous dire que ça peut être votre sœur. Voilà, donc je suis un peu plus contrariée. Pour la vidéo de ma soeur, mon mari, c'est pas grave, c'est pas un souci, voilà. Mais ma soeur, franchement, de dire que oh mon Dieu, elle fait ton âge, la pauvre. Non, les filles, oh, prenez des pincettes. Vous aimeriez qu'on vous dise ça comme ça dans la gueule? Je sais pas, moi. Je sais pas, je vous trouve pour certaines vraiment très très méchantes. Je sais pas, franchement, prenez des pincettes. On n'est pas, je veux dire, moi je veux vous faire plaisir. À ce moment-là, franchement, vous me donnez même plus envie. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, hein. Mais vous ne me donnez même pas envie de faire d'autres tags avec d'autres membres de ma famille. Donc voilà, à ce moment-là, ne me demandez pas si c'est pour critiquer, pour casser. Ne me demandez pas, par exemple, ouais, fais-nous des tags avec ton mari. Oui, mais si je vous fais des tags avec mon mari, que c'est pour critiquer, je ne vais plus vous en faire, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est sûr que c'est à chaque fois quelques commentaires, mais je dois dire que
Pour la dernière vidéo tag avec ma sœur, vous avez été nombreuses. Bon, certaines ont eu plus, je dirais, de subtilité. Voilà. Pour me dire, voilà, elle fait plus, il n'y a pas de problème, elle le sait qu'elle fait plus. Mais de là à dire, mon Dieu, Baba, on dirait qu'elle a 30 ans. Non, les filles. Il y a des choses qu'il faut dire et des choses qu'il ne faut pas dire. Certes, ce n'est pas parce que je m'expose que ça vous donne le droit de dire tout et n'importe quoi. Voilà, franchement, un peu plus de respect pour 2016, s'il vous plaît. Voilà, moi je vous respecte, respectez-moi, respectez ma famille, parce que là vous touchez à ma sœur. Voilà, je pense que vous réagiriez de la même manière. Voilà. Donc j'aimerais bien que un peu plus de gentillesse, un peu plus de paix sur YouTube. Franchement, j'aimerais. Voilà. Donc sachez que à chaque fois que j'ai. Donc nous sommes sur ma chaîne, même si c'est votre chaîne, nous sommes sur ma chaîne. Et à chaque fois que je verrai un commentaire désobligeant, j'efface. J'efface. Et ensuite, si c'est un commentaire insultant, je bloque la personne et elle a un message insultant en retour, je sais. Donc j'ai décidé en 2016 de ne plus me laisser faire. Je suis. Ouais, voilà. Donc tu m'insultes, je t'insulte automatiquement. Voilà. Donc je pense que certaines ont déjà eu des beaux petits messages à l'image de celui qu'elles m'ont envoyé. À l'image de celui qu'elles m'ont envoyé. Donc voilà, je ne vous le cache pas, hein, je suis quand même quelqu'un de très gentil, de très calme, mais dès qu'on me cherche, on me trouve. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà pour ces petites mises au point. Voilà, c'est tout, hein. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant les vidéos. Après, c'est sûr, je reçois toujours des petites brebis galeuses qui se sont égarées. C'est pas grave, c'est pas grave. J'y suis habituée malheureusement. Je suis habituée à cette méchanceté, mais je ne veux pas que cette méchanceté touche ma famille parce qu'alors là, je suis vraiment, je suis méchante. Hein. Voilà, je vous le dis de suite. Donc voilà. C'est tout, je pense, pour ceci. Ensuite, concernant le fait que je parle pas assez fort, je pense que c'est un souci de. En fait, je me suis rendu compte récemment, je monte des fois mes vidéos avec mes écouteurs et c'est trop fort, le son est trop fort. Donc moi, je baisse déjà. Est-ce que c'est pas ce qui fait que lorsqu'on le met sur l'ordi, on entend moins bien? Donc ça, je compte modifier aussi. Donc quoi qu'il en soit, même si je monte avec les écouteurs, parce que voilà, il y a mon mari qui écoute la télé ou il y a mon fils qui parle à côté, je n'entends rien. Je pense augmenter dans mes montages au maximum, quoi qu'il en soit, comme ça vous ne serez plus lésés à ce niveau-là parce que ça revient là. Au niveau luminosité, je n'ai pas de souci. Voilà, parce que je pense que voilà, j'ai fait des efforts à ce niveau-là. Voilà. Au niveau aussi arrière-plan, je pense que ça vous plaît. Je n'ai pas eu de soucis. Voilà. Au niveau des demandes, vous me demandez beaucoup le room tour. Je ne sais pas si je vais réellement vous le faire. Voilà, parce que pareil, je reçois au niveau du salon tour et du room tour bébé, je reçois quand même certains commentaires. Donc je ne sais pas, on verra bien. Et enfin, pour terminer ma vidéo, donc rien à voir, je voulais vous parler donc de la fameuse vidéo Octobre Rose que j'avais réalisée. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, j'ai pas eu oublié. C'est une vidéo dans laquelle je reverse tous les bénéfices de la vidéo à une association. Bien sûr, vous vous doutez bien, la vidéo n'a été vue que 1 000 fois. Donc, je vais pas vous mentir, je vais essayer de vous insérer. On a gagné, je crois, 2 € sur la vidéo. Voilà. Vous voyez que c'est pas. Bon, c'est pas grave. Ça n'a pas eu l'impact que je voulais, mais ce n'est pas grave. Moi, de mon côté, en cancérologie, je continue à, voilà, apporter ce que je peux à mes patients. Je n'ai pas eu les autorisations requises. Donc voilà, c'était un peu compliqué vu que je travaille la nuit. Voilà, ils sont censés, ils ont des journées assez difficiles, donc ils sont censés se reposer. Donc avec certaines patientes, on a déjà parlé un peu make-up, etc. Voilà, j'ai donné des petites astuces. Donc je pense continuer plutôt dans cette lancée-là. Je verrai plus tard pour les ateliers, mais de nuit, c'est un peu compliqué. Si je passe 2 jours, peut-être, mais de nuit, c'est compliqué. Voilà. Voilà, donc je vais reverser ces 2 €, bien sûr, parce que je ne vais pas les garder à une association. Et je vais bien sûr rajouter un petit plus de ma part. Bien sûr, je n'ai pas faire un don de 2 €. Voilà, mais c'était juste une vidéo pour marquer le coup. Voilà, et puis certaines, toujours, hein, blablabla, comprennent pas pourquoi on joint le make-up à une cause. Ben, je trouve que ça fait d'une pierre 2 coups. Et puis, si, oui, si, et je pense aux femmes
qui sont touchées dans leur féminité. Et c'est vrai que le maquillage, c'est très, très superficiel, mais pour certaines, ça aide à dépasser la maladie. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc je vais faire un don. Si vous avez des associations en particulier, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Je choisirai une association au hasard à laquelle je ferai un don. Voilà, pour celles qui veulent des preuves, pas de soucis. Vous me demandez, je vous les montrerai, il n'y a pas de problème. C'est tout pour ma vidéo mise au point pour 2016. Blabla, etc. Donc je voulais à tout prix vous parler donc de cette vidéo parce que je vous avais dit fin 2015, hein, vu qu'on est déjà quand même pratiquement mi-janvier 2016. Voilà, je voulais me débarrasser de ça. Donc voilà, si vous avez des requêtes, si vous avez des modifs que vous voulez que je fasse, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas, c'est ici qu'il faut en parler. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, ne vous inquiétez pas, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais à force on voit toujours des commentaires qui arrivent à chaque fois. C'est pas grave, moi il n'y a pas de souci, je les supporte. Avant c'est vrai que je ne les supportais pas, mais maintenant je m'en fous. Franchement, la vérité, je m'en fous. Après, ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, c'est bien aussi, hein, c'est pas grave, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde, et heureusement. Donc voilà, c'est tout, hein. Sinon dans l'ensemble, mes abonnés sont des amours, je voulais vous remercier aussi. Nous sommes 8400 sur la chaîne, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que vous vous plaisez sur ma chaîne. N'hésitez pas à interagir pour faire vivre notre chaîne, parce que c'est notre chaîne. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, portez-vous bien.